1er août, aujourd'hui c'est ce que l'on appelle le jour du dépassement. En fait, ça signifie tout simplement qu'à partir de maintenant, nous avons au niveau mondial consommé toutes les ressources que la planète est capable de régénérer en une année. Dit autrement, on vit à crédit à partir de maintenant en exploitant la planète bien au-delà de ce qu'elle est en capacité de nous donner. Le pire, c'est que chaque année, cette date avance un peu plus. Rendez-vous bien compte qu'en 1978, c'était le 9 novembre. En 98, le 3 octobre. Aujourd'hui, le 1er août. Qu'en sera-t-il l'an prochain? En tout cas, le phénomène s'accélère. C'est pas tenable. En 212 jours, nous avons consommé l'ensemble des ressources en carbone, notamment en nourriture, en eau, en fibres, en terres cultivées et en bois de construction que la planète est capable de régénérer en 365 jours. Si toute l'humanité vivait comme nous les Français, il faudrait disposer de 2,9 planètes pour subvenir aux besoins de l'ensemble de l'humanité. Jusqu'à preuve du contraire, on ne dispose que d'une seule planète. Et au niveau mondial, il nous faudrait 1,7 planète si l'on regarde la consommation et la production de l'ensemble des citoyens du monde. Cette date, ce n'est pas simplement de la théorie, on le voit bien. Aujourd'hui, nous avons basculé dans une nouvelle ère climatique. Regardez simplement depuis l'été, les catastrophes climatiques qui s'enchaînent se développent à un rythme qui nous frappe de stupeur. Inondations, canicules et à nouveau inondations au Japon, feux de forêt en Suède, dans un pays qui jusqu'à présent avait été épargné par ce type de phénomène. Canicule en Europe, aux États-Unis, record absolu vendredi dernier à Lille avec 38,6 degrés de température. Voilà la réalité de notre modèle de développement. Le chaos climatique, l'érosion de la biodiversité. Tout cela risque d'être simplement une sinistre bande-annonce d'un film catastrophe que nous regardons se développer en spectateur informé. Mais ça n'est pas une fatalité. C'est une forme de résignation. Parce que le pire, c'est que les solutions existent. Mais elles reposent d'abord entre les mains et la volonté de chacune et de chacun d'entre nous. C'est à chacun d'entre nous qu'il revient de protéger ces biens communs que sont le climat, la biodiversité, un air sain et une eau non polluée. On a les moyens, nous avons l'économie, nous avons les technologies pour répondre aux défis économiques, climatiques et écologiques. Mais la seule chose qui fait défaut, c'est la volonté et l'intelligence collective. C'est aussi l'engagement de chacun. On doit avancer, regarder tous ensemble dans la même direction. On ne peut pas sous-traiter ce sujet-là. Oui, il y a la responsabilité de l'État, mais il y a aussi la volonté individuelle. Les énergies renouvelables sont déjà les premières énergies installées sur la planète. L'agriculture biologique et l'agroécologie sont en train de faire la démonstration qu'elles peuvent nourrir le monde tout en protégeant la biodiversité et sans aggraver les dérèglements climatiques. Les produits chimiques appartiennent comme les énergies fossiles, comme le plastique au XXe siècle. En bref, on sait faire autrement. Cette mobilisation, elle n'est possible que si toutes les entreprises, si tous les territoires, si tous les citoyens jouent le jeu. Où que vous soyez, qui que vous soyez, vous avez entre les mains des solutions et nous, nous sommes là pour les accompagner. La mobilisation, elle doit non seulement se poursuivre, mais elle doit s'amplifier. Et nous avons besoin, j'ai besoin, la planète, nos enfants ont besoin de cette mobilisation autour de la démarche hashtag Move the Debt. Tout simplement pour faire reculer cette date tous ensemble. Voilà, c'est le moment ou jamais de dire stop, de prendre les choses en main et de décider de notre avenir collectivement.